Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich für euch zum Interview mit Kamini verabredet. Aber nein, als YouTube-Star und Sänger bin ich der falsche Ansprechpartner. Deswegen habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt von Musiker Kevin André. Also seid gespannt. Liebe Leute, willkommen. Mein Name ist Kevin André und ich bin hier mit dem super Kamini. Hello. Hallo. Ja. Hallo, ich bin's Kamini. Hallo, ich liebe Monaco Deluxe. Sehr gut, sehr gut. Willkommen in München. Warst du schon mal in München? Non, je ne suis jamais venu à Munich. C'est la première fois que je viens à Munich. Et j'aime beaucoup déjà l'ambiance de la ville et l'énergie de la ville. Ah. Voilà. Also er ist das erste Mal heute in München und er mag den Style, den Vibe von der Stadt sehr, sehr gerne. Et il y a aussi beaucoup moins de vaches à Munich que à Marly-Gaumont dans mon village. Voilà, vous pouvez aussi. Also es gibt anscheinend sehr wenig Kühe hier, wie in seinem Heimatdorf in Marly-Gaumont. Genau, wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt, wie du deine Karriere gestartet hast, das ist ja 2006, hattest du deinen ersten Hit. Wie ist es dir gegangen, so in den letzten 10 Jahren im Showbusiness? J'ai commencé par Internet. J'avais écrit plusieurs chansons et je me suis dit, quelle est la chanson qui me coûtera le moins cher à réaliser en clip? Et donc c'était Marly-Gaumont, parce que Marly-Gaumont, je prenais ma caméra, j'allais dans le village, je filmais les gens du village, j'ai mis la vidéo sur Internet. Enfin, je l'ai envoyé à des maisons de disques et ça a fait le buzz sur Internet. 500 000 vues à l'époque. Aujourd'hui, à l'époque, c'était beaucoup, 500 000 vues. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup parce qu'à l'époque, YouTube, c'était pas comme aujourd'hui. Genau, also 2006 hat er zum ersten Mal sein YouTube-Video rausgebracht. Er hat sich gedacht, ich mache mal einen Clip, was kann ich denn machen? Hat ein bisschen gebrainstormt und hat dann bei sich im Dorf, in Marly-Gaumont, hat er dann die Kühe aufgenommen, ganz lustig, und hat einen Clip quasi rausgebracht mit Rap und Musik und hat es dann auf YouTube gestellt und hatte damals 6 Millionen Aufrufe, für damalige Verhältnisse unfassbar viel, also einer der ersten YouTube-Stars in Frankreich. War das dein Plan von Anfang an quasi, die YouTube-Plattform zu nutzen oder damit quasi Musik zu machen und große Labels anzusprechen? Alors non, j'ai pas fait exprès parce qu'en fait la vidéo, je l'ai envoyée à des maisons de disques par internet et c'était un lien professionnel, un mail professionnel et la légende raconte qu'une stagiaire d'une maison de disques a pris le clip et elle l'a envoyé à des amis à elle. Qui l'ont envoyé à des amis à eux, et du coup, ça, à un moment, ça faisait trop de vues sur Internet, et la presse, ils se sont intéressés à moi. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Mais à la base, c'était juste, j'envoyais aux maisons de disques, voilà, regardez ce que je sais faire, tout ça. Also l'idée war natürlich, dass man am Anfang Musik macht für große Labels, als Musiker berühmt zu werden, aber lustigerweise hat sich's über einen ganz anderen Zweig verteilt, nämlich über Mundpropaganda, über Freunde und so weiter. Natürlich hat es dann sehr viel Aufmerksamkeit erregt und so ist es zu einem Hit geworden. Jetzt spulen wir mal 10 Jahre nach vorne und zwar ist es der neue Film rausgekommen, Bienvenue à Marly-Gaumont. Und genau für mich als Schwarze, ich musste sehr, sehr lachen, weil das doch sehr, sehr lustig ist. Kommt es aus einer persönlichen Erfahrung von dir, der Film? Alors, en fait, j'écrivais, à la base, j'écrivais une Sitcom. Comme le prince de Bel-Air, Will Smith, before the actor, comment dire, attends, je recommence. Alors en fait, à la base, j'écrivais une sitcom, comme le prince de Bel-Air, ou Cosby Show, avec une famille de noirs qui vit à la campagne, mais mon père est décédé d'un accident de voiture en 2009. Et donc suite à ça, j'ai décidé de lui rendre hommage et d'écrire un film sur son parcours de vie, un médecin noir qui ouvre son cabinet à la campagne, parce que je trouvais que la vie et le parcours de mon père étaient plus intéressants que le mien. Le parcours d'un médecin noir qui, dans les années 70, il arrive à la campagne, il ouvre son cabinet envers et contre tout. Je trouvais qu'il méritait d'avoir cette histoire-là au cinéma. Et donc, c'est aussi pour rendre hommage à mon père que j'ai écrit le film. Même si effectivement, on parle un peu de moi aussi dedans. Also ursprünglich war eine Sitcom angedacht über sein eigenes Leben, so ungefähr wie Bill Cosby Show oder vielleicht Will Smith, damals Prince of Bel-Air. Und
Dann kam leider das Schicksal ein bisschen dazwischen, sein Vater ist gestorben und dann hat er sich gedacht, ich mache ein Denkmal für meinen Vater, mache einen Film oder ein Drehbuch für meinen Vater und dann ist der Film quasi entstanden, weil er immer noch bis zu seinem Lebensende in diesem Dorf gelebt hat. Genau. Das ist eine ziemlich tiefe Message, also trotzdem, obwohl es sehr lustig ist, sehr satirisch. Jetzt mal eine andere Frage, schränkst du dich selber ein, bleibst du Rapper? Bist du Drehbuchautor, bist du Comedian, wie siehst du dich? En fait, j'ai plusieurs casquettes. Alors je fais beaucoup de choses et je pourrais dire ça? En fait, je fonctionne beaucoup à l'instinct. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, je la fais. Ça peut être une chanson, ça peut être un sketch, ça peut être un film, ça peut être une série. C'est juste que je pense que la vie, elle est trop courte pour passer son temps à trop réfléchir. Quand on a envie de faire quelque chose, on le fait et puis et on voit ce qui se passe après. Voilà, mais ça, c'est, je réfléchis comme ça parce qu'avant, j'étais infirmier, donc je travaillais dans les hôpitaux, tout ça, et donc tu vois les gens qui ont des maladies, des gens qui n'ont pas de chance et tout. Toi, tu es en vie, tout va bien, donc faut pas se poser de questions, faut agir. Also er war Krankenpfleger, bevor er ins Showbiz eingestiegen ist und er hat so viele Menschen gesehen und hat gemeint, das Leben ist viel zu kurz, dass man nicht versucht, Dinge macht. Und er sieht sich gar nicht so fest als Rapper oder irgendwie in eine Schiene geschoben. Er macht einfach das, worauf er Lust hat und was ihm gerade in den Kopf kommt, welche Ideen er umsetzen möchte. Für mich als junger Musiker, ich hätte eine Frage und zwar, hast du eine Idee oder kannst du mir irgendwas auf dem Weg mitgeben oder anderen Zuschauern auch, die Musiker sind, die vielleicht ins Showbiz einsteigen wollen? Was wäre dein Ratschlag? Je vais donner des conseils humblement, hein, parce que je suis pas non plus Justin Bieber, mais non, le seul conseil que je puisse donner à quelqu'un, à un artiste, déjà c'est la persévérance, il faut continuer, il faut jamais lâcher, quelles que soient les difficultés, parce que en fait, dans l'art, dans l'artistique, quelle que soit la discipline, il y a un truc que j'ai observé, c'est que c'est chacun son heure. Il y a des gens qui deviennent connus à 15 ans, il y en a c'est à 20 ans, il y en a c'est à 50 ans, et il y en a ils commencent à 50 ans, mais ils ont des super carrières. Hein, et donc je pense à des comédiens en France comme... ça me revient plus. C'est pas grave, ça va pas me revenir. Enfin bref. Donc il faut prendre le temps de réussir, quoi. Il faut prendre son temps et ça prendra le temps que ça prend. Mais voilà, c'est la persévérance, le travail et puis un minimum de stratégie par rapport à sa création. Ah merde, t'as vu, moi aussi je bégaye. un minimum de stratégie par rapport à sa création artistique. Savoir quel public on veut toucher. Et une fois que tu sais quel public tu veux toucher, alors comment tu veux toucher le public? Est-ce que c'est par Internet? Est-ce que c'est en faisant que des concerts live? Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où il faut être présent sur Internet, il faut être présent sur la scène, et il faut faire les concours, les festivals, et ça revient au fait que je fasse plusieurs choses artistiquement. Il faut essayer d'être partout. Voilà. Là, c'est bien, tu fais des interviews, tu rencontres des artistes. Moi, demain, je peux t'amener un plan de concert parce que je connais quelqu'un qui fait un show quelque part. Tu vois, c'est en fait, c'est des rencontres. C'est des rencontres mais là, le socle principal, c'est la persévérance et le travail. Et après, la chance, elle vient au fur et à mesure des rencontres, tout ça. Also ich bin ganz seiner Meinung, Durchhaltevermögen und Arbeit ist absolut das Wichtigste, wenn man was erreichen will. Wichtig ist natürlich auch, dass man viele Leute kennenlernt, networkt und einfach sein Bestes gibt. Ja, so wie wir gerade hier sind und Sachen promoten, Spaß haben. Das ist einfach das Beste. Die Leute sollen sehen, dass man was tut, würde ich mal sagen. So, hast du eine letzte Sache, die du deinen deutschen Fans mitgeben willst? Okay, déjà, thank you, merci, danke. Danke, merci, merci au public allemand d'avoir bien accueilli le film. On a vraiment des bons retours du film en Allemagne. Je suis vraiment très content. C'est un grand honneur pour moi et pour mon père que son histoire elle soit connue aussi auprès des Allemands. Et comme ma boss de Prokino, elle est juste derrière, sortie du DVD le 4 septembre. Ab 4 September. Ihr habt's gehört. 4. September. Ab 4 September. Vergebung von meinem Akzent. Ihr habt es gehört, am 4. September die DVD. Das Dorf sieht schwarz, so heißt es.
Ein Dorst in Schwarz. Dorf. Mein ein Fehler. Dorf. Ein Dorst in Schwarz. Bienvenue à... Ich bin für Your Accent. Ich bin für... Bienvenue à Marly Gaumont. Genau, ihr könnt euch freuen auf diese DVD. Der Film ist einzigartig super. Der Trailer ist super. Auf jeden Fall holen, anschauen und Spaß damit haben. Jetzt haben wir so viel über den Film gesprochen und ihr kennt ihn vielleicht noch gar nicht. Hier habe ich ihn. Er kommt aber erst am 4. September raus. Und wenn du ihn als allererstes sehen willst und als DVD in die Hand bekommen willst, dann solltest du dieses Video kommentieren, denn wir verlosen 3 DVDs. Wie immer, hat euch das Video gefallen? Lasst mir einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und hier habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.